Bonjour à tous, bienvenue à Londres Asso, le quartier où Martslab a décidé de créer sa troisième boutique. Un écrin, vous allez voir, vous allez adorer. On a passé un an et demi à peaufiner, à raffiner un magasin qui nous ressemble, qui est cosy, qui est chaleureux, vous allez voir. Je vous emmène dans la boutique, c'est au 47 Lexington Street et vous allez découvrir ça avec moi. The pilot washed his hands and sealed his face. Ok, bienvenue à Londres, bienvenue dans le magasin March de Sceaux au 47 Lexington Street. Et je vous présente Emilien qui est notre ambassadeur ici et qui représente la marque. Donc Emilien, t'as pu voir un peu le quartier, on est vraiment, ça fait un peu moins d'un mois qu'on est ici. Ça ressemble un peu au Marais, non? C'est exactement ça. On a vraiment l'impression d'être comme si on était Rivière du Temple sur un quartier beaucoup plus grand où il y a beaucoup plus de travail. Il y a des gens qui viennent travailler en costard cravate, il y a des startups. Ça vit en fait, ça vibre. C'est très éclectique, très cosmopolite. Le style de clientèle, c'est quoi? Alors en fait, on a un peu tout. C'est ça qu'on a remarqué depuis qu'on a ouvert, c'est qu'on a vraiment des Anglais qui sont à Londres depuis tout petit, des Américains, des touristes, des gens qui passent par là, des gens qui viennent tous les jours et en fait qui reviennent, qui nous disent « Ah là, je suis passé une fois, deux fois et maintenant je rentre ». Cool. Et en fait, c'est de tout âge. C'est ça qui est très intéressant en fait. Il n'y a pas une personne qui est rentrée qui était pareil. Et tu vois, à côté, on a beaucoup de bons restaurants, de bons petits trucs. On a surtout des super boutiques. D'accord. Comme APC à côté. En fait, c'est plein de boutiques qui ont des distributions très exclusives, qui sont pas n'importe où, en fait, d'accord, quand elles se développent. D'accord. Qui sont dans des quartiers qui choisissent. On sent qu'elles prennent leur temps, un peu comme ce qu'on a fait à Paris, d'accord, comme ce qu'on a fait en France. Et donc, on a par exemple APC, Oliver People, Byredo, Officier Général. C'est en fait plus comme le Haut Marais que le Marais qui est un peu plus market, quoi. D'accord. Exactement. Okay. Et donc c'est ça qui est très intéressant et on le voit un peu dans les gens qui marchent dans la rue, ils ont tous un très bon style, on sent qu'ils font attention à ce qu'ils mettent. Alors quelle est la première perception des Anglais vis-à-vis de notre marque? Alors écoute... Est-ce qu'ils aiment autant que nous? C'est simple, ils adorent. Honnêtement, ça m'a très agréablement surpris. Ils ont vraiment... ils adorent le style en fait et c'est ce qu'on s'était dit. On s'était dit, c'est sûr qu'ils vont accrocher sur tous les détails, l'attention qu'on porte sur les détails, les finitions des montres, ils vont tout de suite le capter, et c'est exactement ça. D'accord. Tu vois, ils comprennent très facilement. C'est assez révélateur. Voilà. Et alors justement, on a fait une petite montre spécialement pour eux. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous la présenter? Ouais. Ça peut être intéressant de la montrer. Exactement. Le modèle qui, je pense, nous tient le plus à cœur, la M69, de par sa taille, de par ses courbes, sa simplicité, et son raffinement, c'était très évident que c'était la montre qu'il fallait faire pour Lexington. Et la couleur aussi. Et la couleur, accessoirement, on a fait un vert que les Anglais appellent vert anglais, que nous appelons vert français. Très bien. Elle est uniquement vendue dans notre boutique à Lexington, à Soho. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais laisser Emilien vous présenter le magasin et vous faire un petit tour exactement de l'espace. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Ok, so... You know, we wanted to make the experience for the customer very interesting, to, you know, kind of tell the story and how, you know, we've been around for just short of 10 years now. And so we kind of wrote our history on these little niches. So you have all our models, the AM1, it's smaller version, the AM1 Slim, and you have the AM2, AM59, AM69, and then the Agenda AM89. De la boutique, on a plusieurs autres aspects qui en fait viennent habiller la boutique. On a ici ce qu'on appelle notre douche, qui est en fait là où on a mis toute la collection 70, qui est déclinée dans toutes ses possibilités. Et après, si on se rapproche vers le devant de l'espace, en fait, on a plutôt une vitrine événementielle. Donc là, on a mis en avant la Belza, notre plongeuse, notre surfeuse, et en dessous, on s'est plutôt penché sur des couleurs. Donc ici, le bleu marine. Et surtout ici notre AM1 Bordeaux qu'on sort cette année, qu'on a fait découvrir à Paris.